Politique, les régionales approchent. C'est dans moins de 2 mois. Le premier tour prévu le 14 mars prochain. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Europe Écologie rassemble. Alors que dans d'autres régions, les partis écologistes ont du mal à s'unir. Ici, Europe Écologie a réussi à réunir la majorité des courants, même le MEI, le mouvement écologiste indépendant, qui, dans la majorité des régions, fait liste à part. Europe Écologie espère même faire un très bon score à ces régionales, mieux qu'aux élections européennes. Je vous propose d'écouter la présidente du mouvement écologique indépendant au micro de notre reporter, Élodie Bernachon. Au lendemain des résultats, on s'est aperçu quand même que 16% d'Europe Écologie, plus 4% à peu près pour les écologistes indépendants, ça faisait quand même l'écologie devenait la première force politique en France. Danny Cohn-Bendit avait déclaré qu'il souhaitait l'autonomie de l'écologie. Donc nous, on parle d'indépendance, lui parlait d'autonomie, on s'est dit quand même qu'il y avait là matière à rassemblement. Et un grand meeting est prévu à Lens vendredi prochain.